Bien sûr, avec le micro, ça marche beaucoup mieux. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Et bien sûr, on se retrouve pour la suite de Final Fantasy XII, Zodiac Age. Et bien joué, quelle intro, ouais, n'est-ce pas? Ouais, c'est bon. Ce sont des choses qui arrivent, mais tu vois, c'est là pour ponctuer un petit peu, animer tout ce qui va se passer. Et voilà, pourquoi pas. L'important, c'est que je l'ai vu et que je sois pas tout le let's play en mode muet, tu vois. Ça serait vraiment triste. Mais c'est ok, c'est ok. Bon, petit résumé, bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, de retourner dans le jeu, dans le live d'hier, donc on a fait l'épisode 2 et 3, du coup, qui seront bientôt upload sur YouTube, l'épisode 1 et sur YouTube ce soir à 18h je crois. Ma super lesson alert, son disable, profonde tristesse. Oh merde! Et ben faut que je vois ça. Faut que je vois ça. Du coup, hier on a fait épisode 2 et 3. Donc on a réussi à s'enfiler dans le palais de Rabanastre. Il y a eu une guerre dans la ville à ce moment-là. Donc à Rabanastre. Moment où voilà, les impériaux et la résistance s'en mettent plein la gueule. On se fait capturer. D'ailleurs, avec trois nouveaux personnages que, eh bien, nous avions rencontrés dans les égouts de Rabanas pour se faufiler dans le palais, pour se, non, pour se retirer du palais. Alors, on est passé par les égouts pour s'extraire un peu de tout ça. Et du coup, il s'agissait de Balsier, Fran et Amalia. Voilà, on est capturés, on finit dans les cachots de Nalbina, loin à l'est, donc au niveau de l'Empire Arcadien. Et ensuite, on arrive à s'échapper grâce notamment à l'aide d'un autre personnage que nous avions déjà croisé dans l'épisode 1. Il s'agit de Bash, voilà, qui était avec Rex dans le pseudo-tutoriel. Du coup, Bash, Van se prennent la tête, forcément, puisque Van pense que Bash a tué son grand frère. Et ils se prennent la tête, du coup, à cause de ça. Mais bon, Bash lui explique qu'il y a eu une sorte de coup monté contre lui avec son frère jumeau, parce qu'il a un frère jumeau apparemment, Bash, en tout cas c'est ce qu'il raconte à Fran, Balsier et Van. Et son frère jumeau serait, du coup, merci Nox pour le clip, un plaisir toujours. Et du coup, ouais, il a un frère jumeau, et son frère jumeau, il est juge, apparemment. Donc, les juges, on en a croisé un, c'était dans les cachots. Et les juges se sont un peu allés faire valoir de l'Empire Arcadien, pour résumer très grossièrement. Et voilà, et on s'échappe donc, on retourne à la lumière du jour, loin à l'est. Et l'objectif, vu qu'on est sorti un petit peu de tout ça, c'est de revenir à Rabanastre. Mais on est très loin de Rabanastre, à l'est. Je prends ma manette. Hop, je swap la scène. On va pouvoir passer sur la PS4. Hop là. Petite transi. Et je vais couper la musique également de YouTube et remettre le son du jeu. Parfait. Son de la PS4, c'est bon. Et c'est parti. Let's go. Alors, c'est celle-là. Ça met de base sur la bonne sauvegarde, c'est parfait. Et XP à fond. Bonjour. Toute l'entrée s'est effondrée et notre boss est toujours à l'intérieur. Il y a un autre accès à Barim dans le coin, mais c'est notre boss qui a la clé. Ah, c'est-à-dire que peut-être à un moment donné on pourra retourner dans
dans les profondeurs dont on s'est extrait. Ah, ça y est. Alors, on est rendu où? On est là. Il faut qu'on aille là. Et ensuite, on peut retourner là. Bon, au final, je pense que ça va aller assez vite, je pense. Et on va se faire un max de mobs au passage. Ah, mais il y a quand même du 134. Vous voyez, 2 points d'XP. C'est pas ce qui va nous faire level up énormément, mais bon. En tout cas, ça fait toujours des points de permis. D'ailleurs, est-ce que on se ferait pas quelques contrats après? Ça pourrait être cool, je pense. D'ailleurs, je crois qu'il y a un monstre qu'on va essayer de choper dans un contrat qui est genre dans cette zone. Je tiens quand même à signaler que cette pause pour jouer est incroyable. Au petit camp qu'on avait vu dans l'épisode 1. Bon, allez, let's go. Est-ce que je peux me faire le T-Rex maintenant avec un groupe de 4? Je pense que c'est encore un peu tôt. Mais on va le tenter. Je pense que ça peut être sympa de le tenter. Salut. Ce qui est bien, c'est qu'il est pas agressif. Donc je peux me balader à côté de lui, tuer des loups, il va pas se sentir dans la mouise. Il y a un coffre là-bas. Gagner une potion. Ah, quoique, j'ai la cuité. Est-ce que je vois un petit peu. Il est niveau 29 et il a 6000 HP. En niveau 29, c'est chaud, les gars. On va au moins faire en sorte de libérer un peu la zone pour que ça je pourrais courir très rapidement à Rabanastre s'il y a un souci. Voilà, on va tenter.
On va tenter intelligemment en faisant ça. Et là, on va jauger de la survivabilité de nos mates. Bonjour, salut à votre pseudo, la bagarre, exactement. Histoire, Horus, 6 semaines, ouais. Alors en gros, qui c'est qui a demandé histoire? C'est Nox, moi bon, je t'ai fait un résumé, t'étais là, oh, faut pas déconner non plus. Hop, par contre, faire tomber mon câble de recharge de ma manette. Pas ouf. Voilà. Bon, est-ce que mes mates se font annihiler ou est-ce que ça va? On se bat! On se bat, on se bat. On se carapate. Il a mis du 304, du 3, 320 à bâche. On court, hein. On reste pas là. Je crois que c'est comme ça pour enlever le map, voilà. Ce sera pour plus tard. Bah voilà, moi. Donc imaginez si je l'avais fait à l'épisode 1, juste avec Van, ça aurait été terminé. Résumé, il a refusé de combattre le T-Rex level 1, maintenant il revient pour tester. Ouais, c'est un petit peu ça. C'est honteux, il suffit de dodge. Ouais. The resistance will surely find me soon. Fates will we meet again. I would pay my respects to your brother. You're a fugitive now too. Stay low for a while. What about the stone? Do as you like. That stone's ill-favored. We feel regret. We sought that stone and found ourselves only worry. You offering it? It's mine. Then why do you ask? Our regards to your girl. We stay in Rabanastra a while. What do you think? Can I trust Bosch? Peut-il faire confiance à Bosch? I gotta get rid of this thing. But maybe I should show it to Pinello first. Non mais je comprends, c'est le genre de jeu où tu fermes pendant 72 heures après, tu dis que le jeu est trop facile. Non. En vrai, je me tâte à faire des petites séances de session d'XP hors stream pour genre aller gratter 2-3 levels par-ci par-là. Mais je pense que effectivement ça peut tuer un peu la difficulté du jeu qui est pas le jeu le plus dur, même s'il y a des boss qui sont vraiment très compliqués. Mais on verra. Si jamais un jour je bloque, j'irai faire ça. Bah non, fais-les en stream. Ouais, je pourrais aussi les faire en stream d'ailleurs. Mais là, on a bien avancé dans l'histoire. Mine de rien, entre vendredi et hier. Donc là, je pense qu'on va faire un petit peu des contrats de chasse. D'ailleurs, il y en a un qu'on a déjà. Et il faut que j'aille au désert ouest pour aller le faire. C'est le Texta de mémoire. C'est un loup, une sorte de loup qui empêche un commerçant d'avoir sa livraison, et il a tout hypothéqué, sa maison et tout. Il se retrouve à la rue pour avoir cette livraison importante qui peut leur mettre bien. Je vais pas le faire pour moi, pour l'XP et tout, pour la renommée que va m'apporter le contrat de chasse. Je vais le faire pour ce marchand qui avait l'air si démuni. Et dans ce jeu on peut louer des chocobos. Voilà. C'est trop cool. Mais pas tout de suite. Les chocobos, ça viendra. Et je vais me rasseoir. Désolé, la pause swag, c'est pour ce sera pour plus tard. Je la remettrai un peu plus tard. Hop. Et apparemment il fallait que je longe le mur ouest. Le mur sud, je ne sais plus. C'est un gros loup, c'est pas un loup alpha? Non, c'est un loup normal. J'ai l'impression que cette quête t'avait été donnée au tout début. Alors le contrat de chasse qu'on avait fait au tout début, c'était la tomate. Avec des grandes dents. Mais le textage, j'avais pris un petit moment et... Bah, les contrats de chasse, si tu vas pas dans la zone, tu les fais pas, quoi. Donc. Mais là, je crois que c'est dans cette zone-là qu'il est le texta.
toute façon, si sur la minimap en haut à droite vous voyez un gros point rouge, c'est qu'il est dans le coin. Quoi. Par contre, le problème avec Van, c'est qu'il a pas de compétence de soin. Je sais plus si dans FF on peut accepter plusieurs contrats à la fois. Faudra que j'essaie. Je crois que ça annule le précédent. Vous voyez que j'ai déjà joué au jeu, hein. Je savais où il a été, hein, le Texta. Il est sur la minimap. Il est gros. Il est un peu plus gros. Beaucoup plus gros. À peu près 5 fois plus gros. Et je crois que de mémoire, il invoque des copains. Enfin, genre, il hurle et il y a d'autres loups qui y arrivent. J'ai que la compétence voler, je crois. Mais je vais essayer de voler au Texta. Genre, je vais clean les mobs qui sont autour de lui. Ah, je sais pas si c'est la bonne strat. Je pense que j'ai envie de savoir s'il loot quelque chose. Je vais commencer par voler. Et une fois que j'aurai volé ce qu'il loot, je le défonce. Parce que sinon après il va invoquer trop de loups et ce sera ingérable, même si de base Van il est assez tanky. On va regarder aussi s'il n'y a pas des permis qui peuvent être cool. 98 points. On peut augmenter les points de vie de 190. Ça on s'en moque, je pense qu'on va build plutôt dans l'arbre de chevalier après, pour avoir des armures solides, vu qu'il est déjà assez tanky. Allez, 190 points de vie supplémentaires et on est pas mal. Ils sont loin. Est-ce qu'il loot quelque chose? Texta. J'ai volé un caillou. Bon, on va pas trop s'en occuper, hein, du coup. Par contre, il tape du combien? J'ai pas fait gaffe. 16. 20. Ok. Bon, on va tuer le petit. Bon, ça se passe bien. J'accélère un peu. Deux points de permis. Ça donne pas d'XP, c'est vrai, mais ça donne 2 points de permis ou 5 points de permis ou 10 points de permis les contrats. Mais c'était hier où on avait fait un petit saut dans le désert ouest, mais un peu plus deep, je crois, dans le désert ouest. On était tombé sur un e-bourse qui était genre trop fort. Ouais, c'est ça. Pleine de Giza, c'est le désert sud. Et bien, parfait, on va aller rendre le contrat. Je commence à maîtriser la vitesse x2 avec le petit décalage, le petit lag de 0,5 secondes. Du coup, on va voir ce que c'est l'objectif de la quête principale. Je crois que de mémoire, Balsir et Fran ils doivent être dans la mer des sables justement, donc là où il faut que je rende le contrat. J'ai hâte de montrer à Penelo et Dallan ce que j'ai trouvé. Ok, donc faut d'abord que je trouve Penelo et Dallan. Et je crois que pour retourner, c'est par là.
On va avoir aussi pas mal de choses à vendre. On va voir ce qu'ils vendent en termes de magie. Et je vais pouvoir vendre tous les butins que j'ai eu dans le sous-sol du cachot. Faire des achats peut-être. Et non, pas discuter avec moi. Et non. Bâton, si on va garder pour l'instant, genre je sais pas si ça va être vraiment utile ou pas. Je rêve d'un monde où il y a une touche pour tout vendre. Oh, les cailloux ça vaut 2. Je pensais que ça valait 1. Bon, eh bien pas mal. Une panoplie de vêtements en cuir assez saillant pour la ville qui résistant pour les combats. Un lot contenant un arc court et un carquois de flèches fourchues. Contenant un fusil Capella et un sac de balles de silence. Je sais pas si je les achète. De toute façon, si je les laisse là, je crois que reste. Hein, j'ai toutes les magies là déjà. Ok. C'est vrai que j'avais acheté pas mal de magie depuis le début. Donc on est pas trop mal de ce côté-là. Et la mer des sables est par là. Ah, c'est vrai que dans les grandes villes en général, il y a des moyens de se téléporter d'un bout à l'autre très rapidement. Tu as réussi, tu as terrassé le textao. Merci mille fois. Tu nous as sauvés, ma femme et moi. Ce n'est pas grand chose, mais je tiens à t'offrir ceci. 500 gibes, bandeau, pierre de téléportation. Bon, il est temps que je retourne à ma boutique. Viens y faire un soin de séjour, j'aurai peut-être un petit quelque chose pour toi. Sinon tu risques d'être déçu, viens dire bonjour si tu passes dans le quartier. J'ai l'impression que le mec genre c'est la phrase type du streamer qui se lance genre. Hésite pas à venir, il y aura pas grand chose mais viens dire bonjour. Donc il y a une échoppe de plus normalement dans la ville. Le Pampa Fleuri et l'apparition. Le Pampa Fleuri, je crois savoir où il est. Désireste de Dalmasca. Voici le plan de l'emplacement du client. Et je crois qu'il est dans le petit camp juste avant, voilà. Eh bien, allons-y. Ah, mais je crois que... Alors si je dis pas de bêtises, dans le dossier de clan... Il y a la liste des contrats. Donc ça c'est fait. Et là, je peux voir les détails sur la carte. Et je vois où il est. Donc je peux, on va dire, enregistrer plusieurs contrats. Et ensuite, juste retourner les voir plus tard. Ça doit être dans les égouts. Dans la base ville, je pense, le client. Ouais, c'est ça. Exactement. Eh bien, parfait. Je pense que le pompage, je peux pas le faire tout seul. Et l'apparition, je ne sais plus. Parce que de mémoire, le Pampa il a un sort qui s'appelle 1000 épines, qui est un sort qui est très récurrent dans les Final Fantasy d'ailleurs. Et qui est très récurrent dans les Final Fantasy et qui fait 1000 points de dégâts. Voilà, que vous ayez de l'armure, pas d'armure ou quoi, vous prenez 1000 points de dégâts. Point barre. Je savais bien que je vous trouverais là. Nous n'avons plus rien à faire ensemble, tu devrais aller retrouver tes camarades. Ton ami doit s'inquiéter pour toi, le mouchoir de Balser peut sécher ses larmes mais pas la consoler. Exact. Ah ça je préférerais le récupérer avec aussi peu de larmes que possible, dépêche-toi. Le crack.
Eh bien, je pense qu'on va aller voir Dalan. Dalan qui nous avait filé la pierre qui a permis de d'ouvrir le coffre. Donc on va aller dans la basse ville. Qui est juste à gauche là. Et let's go. Et on va courir au sud. C'est là déjà. Sauvegarde. Well, well, look who we have here. Heard you were sent off to Nalpina. And I got out of there as fast as I could. But it was all worth it, Dalan. Here, look at this. My, my, my. Quite a treasure you've got there. Well, you know, I couldn't have done it without your help. So, there is more to this gutter churl than first meets the eye. Vaughn, I've an errand, a simple favor to beg of you. I was going to ask that kites to go, but I should think that you ought to do. No. No, I think you're just the one. There's a fellow by the name of Azalas, and I need you to bring this sword to him. That's a sword of the old order. Speak my name when you arrive. That should be enough to get you in to see him. I've made a note on your map showing you where he can be found. Mind you, you are to deliver the sword to him personally. I will. And so it is done, but will it be enough to remind him of what the Order once meant? Vous gagnez une épée d'Almascan. Je crois qu'elle a des bonnes stats, mais je crois que je peux pas m'en équiper. Triste, triste. Je peux pas m'en équiper parce que j'ai pas le permis d'ailleurs. Mais de base, je pourrais. Je dois apporter ça à un certain Azelas. Mais que va-t-il faire d'une épée de l'ordre ancien? Bon, c'est pas très loin. Je crois que c'est par là, par là, par là. Hop. Chose à donner à un homme, un certain Azelas. Il est ici, non? Et qui t'a dit ça? Il s'appelle Balzac, le mec. Ok. Dalan, il m'a demandé de lui remettre mon colis en main propre. Il y a des choses que ce Dalan ne sait pas. Il a des oreilles dans tous les murs ou quoi? Bon, allez, entre. Mais ne parle jamais à qui que ce soit de ce que tu vas voir et entendre ici, compris. Et bah, let's go. Then what do you make of Andor's proclamation? Are you suggesting they fooled even the Marquis? What if a judge killed the king, not the captain? That would explain everything, wouldn't it? In that case, the captain would be brother to a judge. How are we to trust such a man? Huh? Now there is the Bosch that I remember. Then will you fight again at my side? His word alone convinces me of nothing. I'd take his word over that of a mouthpiece Marquis. Then you name Rex liar with him. My brother was no liar! Just the opposite. Rex was the witness they needed. They had to make it Comment appear ça, on entend as rien. I killed the king, Rex bah si, on has entend. No blame. The fates have willed it. So this is Rex's brother.
Your words may convince a child such as this, but they weigh far too lightly. C'est bien ce qui me semblait aller arriver. Our paths will remain separate. Do you not think Amalia worth saving? I hold men's lives in my hands. I must see foes in every shadow. The night we moved against Vayne, he knew. I will not chance such disadvantage again. I must treat you as I would Andor, as I would treat any abettor of the Empire. Then what will you do? Hold me here in chains? Ce plan. Some things never change, do they? Listen to me, Bosh. Your cage may have no bars, but it is a cage. The eyes of the Resistance watch unblinking. Let them watch. I know something of cages. That's right. Amalia's in the Resistance. Then you know her. Sorta. We met just before we got sent to Nalbana. I've known nicer people. Our paths keep crossing, yours and mine. It's more than coincidence. It's annoying. I'm sorry. Allow me one last annoyance, a favor to ask. I want you to take me to Balthier. Even caged birds need wings. This makes us even. Even? For Nalbana. We couldn't have done it without you. Il est tout le temps comme ça, Van. Bash se joint au groupe. On va pouvoir dépenser des permis pour Bash. Et il doit avoir 300 points, un truc comme ça, à dépenser. 400. 333. Pas mal, pas mal. Du coup, le monsieur, je crois que de base, qui est opti, c'est Maître d'Ast, chronomancien. Guerrier maniant l'Ast, capable d'esquiver les attaques et de transpercer l'armure ennemie de son fer. Lance et arme d'Ast. Technique don de vie, sacrifier des PV pour soigner des alliés. Et de base, il aura énormément d'HP. Et chronomancien. Mage guerrier armé d'arbalète et capable de manipuler le temps et l'espace. Attends, qu'est-ce que j'ai dit? Maître d'Ast, chronomancien. En fait, il aura beaucoup de force, beaucoup de pénétration d'armure et beaucoup de stats défensives également. Donc ça a l'air pas mal. Et on va commencer par Maître d'Ast. Je crois. Ça ressemble à quoi? Pique, lance, puissance d'attaque. Hop, hop. Ah, et les armures lourdes sont là. Parfait. Et on a des lances, des lances, des lances. Des lances encore. Premier soin. Des lignes de gambit. Ok, ok. Faudra que je déverrouille le truc qui est là. Pour avoir accès à ça et ça, ce serait dommage de pas les avoir. Et je crois que justement cet emplacement là, ça doit être grille supplémentaire. Grille supplémentaire de permis quoi. Du coup, c'est bon, tu peux aller tuer le Trex maintenant. Ah, le T-Rex. bof. Bof, bof. Là, il y a des. Oh, les points de vie max. Il faut que je débloque ça pour avoir accès à. Sais jamais, ça peut être utile. Ruban. Et là, on va voir les armures. Ok, let's go. Et on va quand même checker. On va checker rapidement chrono. Non, je veux juste regarder ce qu'il y a dedans pour l'instant. Ok, récupérer des PM, effet de la magie, lenteur inertie. Célérité, meilleur truc. Faudra que je débloque ça. Point de vie max encore. Ah, il y a encore des armures lourdes ici. Oh, il y a des très très bonnes armures lourdes même. Casque du maître. Armure du maître. Bon, de toute façon, je pense qu'on va partir là-dessus. Hein. Il y a des arbalètes ici. Je crois que j'ai rarement joué avec des arbalètes. Dans...
dans à l'époque où je jouais au jeu quoi quand j'étais au collège. Mais why not? On va commencer par Maître Dast. Oui. Let's go. Les T-Rex ont peur des souris. Alors ce sont pas des éléphants hein. Amène une souris. Let's go. Ah c'est vrai qu'il faut que je quitte et que je retourne dessus. Voilà. On augmente la puissance d'attaque, on va faire des gros dégâts. Ça sera utile. Premier soin. Bah, vu qu'on l'a déjà débloqué, on va le prendre. Le permis 2 d'armure. Le permis 3 d'armure. Comme ça on a de la marge. Et qu'est-ce qu'on a en termes de... Oh, le harnais du gladiateur. C'est lui qui met des ripostes. Ouais, mais c'est mieux de mettre sur des personnages qui enchaînent les attaques après. Je crois. Augmente la puissance d'attaque. Il va faire vraiment très mal. Hein. Choc ténébreux, on s'en fout, on veut pas celui-là. C'est les super attaques, genre. Je sais pas si vous vous souvenez dans l'épisode 1. Bash, il avait fait une sorte d'ultime sur un mob. Ah, c'est à partir de là les points de vie max. Et du coup, Choc ténébreux, c'était ce qu'on avait vu. On va quand même prendre l'arnée du gladiateur, voir ce que ça donne. Par curiosité. Et la bague tourmaline qui, de mémoire, empêche d'être atteint de nécrose et de poison. Et on va commencer à prendre les HP max. Bon, il a quand même gagné 210 HP max à l'instant là, c'est pas mal. Et les Cut Phoenix redonnent plus de HP, on verra ça plus tard. Du coup, équipement. Ok, auxiliaire, ça c'est les boucliers, les trucs comme ça. Casse de bronze, armure de bronze. C'est les permis 1, ça il me semble. Et du coup, résistance à la glace avec la bague tourmaline, c'est pas mal, mine de rien. Et immunisé contre poison et nécrose. Cool. Rend le porteur capable d'effectuer de rapides ripostes aux attaques physiques. Et ça augmente la force de 2 points également. Et nous, on veut jouer à un Bash qui a énormément de force pour mettre des grosses patates. Donc finalement, on va mettre le harnais. Pour 10 points de force d'écart entre les deux, hein. Ça commence à faire. Par contre, en termes de tankiness, ouais, c'est... Bon, avec le Magilite de la DS, forcément, Van, il a des stats défensives magiques qui sont tout bonnement abusées. Je pense qu'on va quand même... parce que, genre, la DAC, ça commence vraiment... Même si on a beaucoup écho dans les premiers épisodes... du let's play, on va quand même aller chercher une arme sympa pour Van, sinon c'est un peu triste. Du coup bah on a quelqu'un là qui nous file un contrat normalement dans la zone. Tant qu'on est dans la basile, on va en profiter. Liste des contrats, cache-cache dans les égouts, voir. Ok. C'est donc un peu plus loin. Bon, Bash il va coller des sacrées patates. Hein. Et il peut riposter en plus. En fait, je pense que c'est pas si mal que ça. Mila, tu es venu pour l'annonce. Merci, je commençais à croire que je l'avais affiché pour rien. Il n'y a pas de temps à perdre. Un enfant s'est enfermé dans cette maison parce qu'il a peur d'un fantôme qu'il jure avoir vu dans le quartier. Il m'a dit qu'il ne sortirait que si je l'éliminais. Je suis allé voir pour lui faire plaisir. Et devine quoi? Il existe vraiment. J'étais incapable de me débarrasser seul de lui. Donc j'ai décidé de faire appel à un chasseur. Ouais, vas-y, let's go.
Oh, merci beaucoup. Alors, égout de Garam 6, juste en bas du hangar numéro 5. Je crois qu'elle est née d'un accident qui a provoqué la mort de beaucoup d'hommes. Enfin, peu importe les causes, ce qui compte, c'est que l'apparition est bien là et qu'il faut s'en débarrasser. Je compte sur toi. Eh bien, let's go, let's go, let's go. En plus, on est juste à côté de l'entrée des égouts. Mais je sais pas si à deux, c'est pas trop compliqué. Nous verrons. Tech. Alors, juste en bas du hangar numéro 5, je pense que c'est dans la zone où on a combattu le poney de feu. Et on va se soigner un peu. Alors, par contre, je crois qu'on n'a pas de mage blanc. Donc, pas de magie blanche. Acuité. On va voir les gambits un petit peu du monsieur d'ailleurs. Attaquer. On va mettre. Personnage. Acuité. Parfait. Ça c'est après les combats. Ennemi ciblé par le leader, on va le mettre là. Et on va remplacer ennemi proche visible par allié qui a moins de 50% de ses points de vie avec potion. Voilà. On est pas mal. Et Van, c'est. On va faire comme ça. Un peu plus de sûreté. Et du coup, je crois que le mob doit être dans le coin là. D'ailleurs, on va se soigner un petit peu. Ok, cool. Alors, je sais qu'il y a rien sur la minimap, hein. je suis pas fou, mais je crois que puisque c'est un fantôme, genre. Faut que j'avance là où il est pour qu'il apparaisse. Mais je crois qu'il est bien, par là. Voilà. Malédiction. Acuité, on n'a pas d'infos sur les dégâts qu'on lui met. On a vu qu'on lui a enlevé un pixel HP. Malédiction. Oh, Gla. Et bah, il va falloir aller vite. Est-ce que j'ai le temps? Je crois que ça passe. Hein. Parce que là, quand ça arrive à zéro, je meurs, tout simplement. Ah, il met des petites tartes quand même. Hein. Ah ouais, il s'énerve de ouf là. J'ai encore fait tomber mon câble. Hop, pour recharger ma manette. Je crois que c'est le moment d'utiliser une super potion. Voilà. En fait, j'ai trop besoin que Bash il tape parce qu'il fait vraiment très mal. Je vais ralentir un peu histoire de voir ce qui se passe. Ok, cécité. Alors, cécité, c'est un collier de mémoire. Collier, état de cécité. Allez, Bash, il faut taper. Et dès que Van il meurt, faut que je mette une queue de phénix dessus. Normalement j'ai le temps. Ok, hop. Leader, je change de leader. J'appuie là, je fais objet, je fais... Queue de phénix, j'en ai 16, putain, ça va vite. Je le mets sur Van. Van ressuscite. Je remets Van en leader. Je lui mets vite une super potion parce que là c'est chaud. Et ensuite, je mets une queue de phénix sur Bash qui vient de mourir.
et on veille Tenrin. Reste-le, voilà, parfait. Toc toc toc, potion potion, toc toc toc, potion potion. Et là on peut s'y remettre normalement. Je vais mettre une potion sur Bash. Bash, je vais lui dire d'attaquer puisqu'il a beaucoup de dégâts, on l'a vu. Je m'en fous que Van soit en cécité, mine de rien. On va quand même se soigner parce que si on a l'aggro, autant être tanky. Et toi, tu attaques ce mob, tu le termines s'il te plaît. Ok, il lui reste plus grand chose. On va rester à l'attaquer. Potion sur Bash. Voilà, parfait. 5 points de permis. Bon, à 2 c'était quand même un peu long, mais ça passe. Et donc on va pouvoir rendre le contrat. Il faudra pas oublier de passer un cristal pour se soigner et enlever les altérations d'état négatives. Et un contrat de plus. Hâte de voir ce qu'elle va me donner comme récompense. J'aimerais bien là, un petit katana ou une petite arme d'ast là, ce serait cool. Le fantôme est parti. C'était lui l'enfant. Il a vraiment pas une tête d'enfant hein, moi, par contre. Parti pour de bon, ce jeune homme l'a chassé pour nous. Sick enjoué. Oh oh oh, tu es enfin sorti, mon petit dig. Oh, c'est sa maman, c'est son papa. Papa, ce monsieur a chassé le fantôme, je suis désolé. Tu as dû te faire du souci pour moi. Pas le cœur à rire tant que mon fils était enfermé dans une maison abandonnée. Vite, retrouver mon naturel maintenant. Grâce à toi, tiens ta récompense. Oui, y'a quoi? Ok, bah un accessoire en tout cas. Un éther, 500 gils. Alors le gantelet, il fait quoi le gantelet? Gantelet défense augmentée de 1, vigueur augmentée de 5, diminue grandement les dégâts physiques subis en état de danger. Permis nécessaire 8. Enfin, le permis d'accessoire numéro 8. Tout ça parce qu'il est pas humain. C'est... Il y a peut-être un petit peu de ça, ouais. Je suis pas fan, mais c'est vrai qu'il apporte quand même 5 points de vigueur. Ce qui est pas rien du tout. D'ailleurs, est-ce que on peut voir quelque part ce qu'apportent réellement les stats de cette clan, ne pas perdre, savoir ce qu'il faut fuir. Ça c'est bien, mettre un, acquérir des permis, utiliser des services techniques. Je cherche si on peut voir quelque part ce qu'apportent réellement les caractéristiques à gauche. C'est pas là que je vais la voir. Je sais qu'il y a un monde où on voit les stats, mais je ne sais plus où c'est. Je crois que, en gros, de ce que je me souviens, bon, attaque c'est les dégâts, la force c'est un multiplicatif de dégâts, en gros, par rapport à l'attaque. La défense, c'est la résistance aux dégâts physiques. La vigueur est un multiplicatif à la défense. Défense magique, c'est défense magique quoi.
Parade magique, c'est vrai qu'on ne peut avoir de la parade magique. Je peux vous assurer que quand ça proc, vous êtes les rois du pétrole. C'est chaud quand même, ouais. Force, magie, donc magie, c'est un multiplicatif au sort que vous utilisez, quoi. De base, par exemple, un soin, on va dire que ça rend 100 points de vie. Si vous avez, je sais pas, 100 points de magie, peut-être que le soin de base, au lieu de refiler 100 HP, il va refiler 300 ou 500, quoi. La vitesse, c'est la vitesse de charge de la barre d'action. Et je crois que la vigueur, ça doit être un multiplicatif pour la défense, mais également pour la parade. Mais j'ai plus les. Faudra que je cherche un petit peu. Pour vous donner l'info. Donc là, on a fait un contrat, c'est cool. On va retourner à Rabanastre. On va aller à la mer des sables pour retrouver Balsur et Fran, puisque Bash voulait les voir. Donc on va les conduire à eux. Et ensuite, on sera un gros petit groupe et on ira aller chercher le Pampa. Le Pampa qui est dans le désert est. Le Pampa fleuri. C'est un cactus, hein, comme les autres que vous avez vus. Peut-être qu'il est un peu plus gros, je ne sais plus. En tout cas, il a une fleur sur la tête et il a une compétence qui s'appelle mille épines, qui fait très mal. Qui fait très très mal. A lot of kids lost their parents in the war. Mine had already died before that. The plague took them both. I'm sorry. I didn't know. It's okay. It's been 5 years now. After that, I lived with my friend Pinello and her family. Then the war came. I am sorry. You don't have to keep apologizing. Really, it's all right. I know it wasn't your fault. I see that now. You didn't kill La bannière brother. De l'Empire. It was the Empire. My brother trusted you. And he was right. Ça ressemble à du pardon. Il pardonne Bash. C'est cool, parce que c'est important qu'il y ait une bonne entente entre Van et Bash, je peux vous l'assurer. Alors. As I said, a misunderstanding. Misunderstanding? What I am understanding is it took Pinello because of you. What? What about Pinello? Oh, Vaughn! They've taken Pinello! And there was a note for this Balthier. Come to the Museum of Mines, it said. It's Begamnon. He was in Albina. If anything were to happen to that sweet child, why, I've her parents' memory to consider. You're going to go to her aid, that. That's what you Sky Pirates do, isn't it? I don't respond well to orders. You do know that the Imperial fleet is massing at Bujerba. Fine, then I'll go. You at least have an airship, don't you? Just get me there and I'll find Pinello myself. I'll join you. Huh? I have some business there as well. An audience with a Marquis, by chance? Both here. Just take us. And this is yours. The gods are toying with us. Make yourselves ready. Nous partons incessamment. Let's go! Et je ne vous spoil pas de où nous allons. On va dans les mines, oui, mais ça ne ressemble pas à des mines. Je n'en dirai pas plus. Bastler et Fran se joignent au groupe. Et Bagamnan, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est le Venga qui était avec le groupe de trois autres Venga et qui voulait attraper Balsur, voilà. Et je pense que, puisque quand on s'est fait capturer. Penelo a couru vers Van juste à la sortie des égouts et que Balsur lui a donné son mouchoir, les Venga en question se sont dit bah il y a un lien entre la fille et Balsur, donc on va capturer la fille pour attirer Balsur justement. Message de Bagamnan faisait allusion aux mines de Lussu à Bujerba. Nous partons sur le champ. Retrouve-moi à l'aérogare, elle doit toujours être à côté de la porte ouest, à moins qu'un séisme et bouleverser la ville pendant notre absence. Fais vite, j'aimerais sauver ta copine et en finir avec ce cauchemar aussi rapidement que possible. Incessamment sous peu, oui.
Du coup, faut le retrouver à l'aérogare. Et bah, on va faire quelques petites emplettes avant. Ou est-ce que j'attends d'être à Bougerba pour faire des emplettes? On va attendre d'être à Bougerba. Du coup, l'aérogare. Ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Il y a des petits mugs ici. C'est gratuit. Alors pourquoi s'en priver? Et on va aller à l'aérogare justement. Et ça permet de se déplacer très très vite dans les grandes villes. Rabanastre n'est pas une si grande ville que ça, mais il y a des villes qui sont un peu plus grosses. Et voilà, on y est. Et j'ai vu un cristal. Faudra pas que j'oublie d'en choper un. Et je crois que petite cinématique Soon. Il est là. Incroyable, il s'est déplacé plus vite que nous alors qu'on a utilisé le téléporteur et qu'on est sorti de la mer des sables avant lui. Mais bon, j'enlève ma webcam parce que je crois que de mémoire il y a une cinématique, si je dis pas de bêtises. On est parti. Le continent céleste de Dorstonis. Si tu veux sauver ton ami, c'est là que ça se passe. C'est comment, Bujarba? Non, je ne vais rien vous dire, je ne vais rien vous révéler. Juste, on est prêt et on y va. Tricheur, tu fast travel! C'est cheaté, un petit peu. C'est pour gagner du temps. Comme ça, le replay est moins lourd et il sera plus rapidement uploadable sur YouTube. Tout prévu. Après le départ, pas de demi-tour. Je suis fin prêt. Vas-y, let's go. Crois que je n'ai jamais voyagé avec autant de bagages. Bref, allons sauver ton ami, qu'on en finisse avec cette histoire. This is the Stroud. Shipping out for you. The Strong. You really are a sky pirate. Well, the headhunters seem to think so. What's a good word? Is she ready? So is she armed? How fast is she? Could she take the Ifrit? I suppose I could tell you, but wouldn't you rather see for yourself? Shortest way is over Dorstonis. How flies Bujerba? Oh, she's free as can be, for now. The Empire took notice when they announced the princess's unfortunate suicide in your internal execution. If it becomes known that I'm alive, the Marquis will lose their favor. I try to steer clear of such things. Right, it's time to fly. No wagging tongues, or you'll like to bite them off. I'm coming. You are feeding, yes? I have my brother. She eats well. See that she does. We need her alive. Balthier's bait must be fresh. I keep trying to tell you. I barely even know who Balthier is. My brother! A message come from Rabanastre.
The Strahl, she sets sail. She makes straight for the sky city of the Jerba. Barely knows it. Yet out of trace, he goes bounding off for you. Tell me, how could that be? That's what I'd like to know. I just met him that one time and that's Does that tongue never stop? What if we plucked it from your head? As for you, we need Balthier alive. His corpse fetches but half the bounty. A tender beaten, my specialty. There's no fun for it if we can't tease out a scream or two. Where are you? Easy. No good, he's not here. Keep searching. This way. You're a dead man. Don't forget it. And no names. Of course. Et de retour. Pas mal de cinématiques, s'est passé beaucoup de choses. Du coup, on arrive à Bujarba, donc comme vous le voyez, Avatar, le film, ce ne sont pas les premiers à avoir créé des montagnes qui volent. Hein. C'était fait bien avant, et bien dans Final Fantasy XII, et probablement encore avant. Il y a un point de sauvegarde, j'y vais de ce pas. Penelo a bien été capturé par Bagamnan, on voit que c'est un peu la merde. Et elle est prisonnière dans les mines de... Lucu, et on a des gardes qui cherchent quelqu'un, probablement Bash, peut-être quelqu'un d'autre, je ne sais pas. En tout cas, ils sont à la recherche de quelqu'un, et votre pseudo qui a mis « Connaissant les habitudes des JRPG, la fille meuf que tu vas sauver ne serait pas la healeuse du groupe ?» Pas du tout. La healeuse du groupe, c'est Fran, parce qu'elle a des stats plus intéressantes pour faire ça. De mémoire, Penelo, elle sera archer et mage lame rouge. Comme ça, elle attaquera à distance et elle pourra utiliser des magies un petit peu variées. Elle a un nombre de points de mana élevé. En fait, Penelo, c'est pour ça que c'est intéressant de la mettre mage lame. Et du coup, avec le point de sauvegarde orange, on peut utiliser les pierres de téléportation pour aller de ce point de sauvegarde là à celui qui est juste avant à la porte sud de Ramanas. Du coup, en fait, on n'est pas bloqué du tout quoi. Et on va pouvoir se mettre à itemiser convenablement nos personnages également. Parce que dans les mines, en vrai, il y a un peu de grabuge. Donc on va être forcé de bien s'équiper. I have an errand to attend to there. What manner of errand? What errand? I might ask the same of you. Right. Come on then. What? Excellent. Do me a favor and stay where I can keep my eye on you. Should be less trouble that way. For us both. So what's your name? Oh. I'm Lamont. Don't worry. I don't know what's in that mine, Lamont, but you're in good hands. Right, Bosch? Cringe, cringe, cringe.
Les Madame Lapin, elle a oublié de s'habiller, ouais, clairement. Que les petits lapins de la cinématique. Ouais, dans la cinématique, c'était cool. Lament. Donc, Lament a eu un petit bug hein, au moment de dire son nom. Donc, est-ce qu'il veut pas donner son nom ou est-ce que c'est un faux nom? Nous verrons. On peut avoir un combattant supplémentaire. Mais on ne peut pas. On ne peut pas. On peut vraiment être aussi nombreux dans un groupe. Tu peux vraiment mettre tout le monde là. Je croyais que c'était 3 max avec un invité. Et bah curieux de voir un groupe de 5 hein, du coup. Ah, ouais, c'est bien ce que je me disais. Il peut y avoir que 3 combattants. On va dire qu'avoir un mage blanc, c'est cool. Du coup, on va garder Fran. Même si j'adore Balsir. Juste une seconde. Et je vais remettre le chat, bien sûr, sous mes yeux. J'ai qu'un écran, donc autant avoir le portable comme ça. 4 combattants plus un soutien, non. Ah non, mais c'est que 3, ouais. C'est que 3 plus un invité, parce que bon, sinon, sinon tu mets tout le monde et t'es tranquille. Mais c'est tout l'intérêt, c'est de savoir, même si t'as des rôles qui sont, on va dire, travaillés, où on prend le temps de bien analyser les combos de permis pour avoir des trucs cohérents et forts, et eh bah tu peux quand même qu'avoir que 3 persos disponibles à chaque fois quoi, donc il faut rester vigilant. Alors on avait déjà vendu des trucs, on va voir ce qu'on peut acheter. Bouclier de bronze, alors ça c'est cool en termes d'armure. Ok. Ça c'est des armures que. Enfin des choses que je peux déverrouiller sans trop de problèmes. Je vais checker un peu les permis de tout le monde parce que j'ai plus en tête tout. Alors, permis. Donc ça c'est ce que je peux avoir. Dans cette échoppe, enfin dans ce shop, on va voir ce que ça donne par curiosité. Hop, c'était que 25 points pour y aller, donc c'est pas énorme. Les armures pour le monsieur. Eh bien, on va avancer ici. Faut pas que j'aille trop lent parce qu'après il me faut des points de permis aussi pour. Ok, parfait. Pour les armes. Voilà. Et le monsieur là il peut déjà aller chercher les choses qui sont un peu plus avancées, donc on est bien. On va systémiser en armure pour tout le monde. Et il y avait quoi déjà dans affaires? Panoplie de protection en cuir, arc et flèche double, fusil coupe-voix. Pour l'instant, c'est pas des choses qui m'intéressent forcément. Procéder à l'équipement, oui. C'est bien que par contre, on peut équiper tout de suite. Comme ça déséquipe l'armure précédente et je peux déjà la vendre quoi. Donc ça, c'est vraiment cool. On achète 2, procéder à l'équipement, oui. Pareil ici, on va en prendre 2.
magie augmente. J'ai pas fait gaffe, mais je crois que les armures lourdes ça augmente pour le coup plutôt plutôt la force. Hop. Ça, ça coûte moins cher, mais ça n'augmente pas les stats, on va dire force, magie, vigueur, etc. Mais ça reste cool. Donc on va pouvoir vendre tout ce qu'on vient de balancer. Ça va faire un peu de place. Ça aussi. Manteau de cure aussi. La toque. On voit que ça n'apporte que du négatif. Oh, chapeau à cornes. J'aurais pu m'en équiper. J'avais pas fait gaffe aux équipements que j'avais déjà. Et ça, je peux vendre. Ça, je peux vendre. Bon, du coup, on a un chapeau à cornes à donner au monsieur qui est là, équipé. Chapeau à cornes. Let's go. Et on va vendre l'autre tout de suite. Parfait. On va vendre l'épée large qui finalement nous sert à rien. Le sceptre va pas m'être utile. Le bâton cyprès, on ne sait jamais, on va le garder, surtout qu'il a élémentaire. Donc si on croise des mobs qui sont faibles à la terre, on sera bien content de l'avoir. Mais je crois que c'est les moines qui peuvent s'équiper des bâtons. On n'a pas de moine pour l'instant. Notre moine ce sera plus tard. Le moine c'est pas pour tout de suite. Voilà. Acheter c'est vraiment worse parce que souvent tu trouves très rapidement meilleur en loot. Non, je connais pas sur ce FF en particulier, mais souvent les marchands sont pas très worse, je trouve. Bah dans celui-ci ça, ils sont très très corrects. Et c'est vrai que des fois dans les loots t'as des choses qui sont vraiment cool, mais t'as genre un item, tu vois. Tu vas pouvoir trouver des trucs cool dans les coffres, des trucs comme ça. Mais sur les mobs que tu vas tuer, tu vas surtout avoir des butins qui vont te donner de l'or, enfin des gils, pour pouvoir acheter chez les marchands. Sinon, c'est surtout les contrats qui vont faire en sorte que t'aies vraiment du bon matos. Des accessoires, des consommables. Je passe devant tout le monde et j'achète, hein. ça dégage. Mais si, c'est super important les vendeurs comme ça. Alors là, il y a des très bons objets. L'Osafune, je crois que c'est pour Van, ça. Et la lance, ce sera pour Bash. Le glaive d'acier, c'est pour les chevaliers. Ah, il pourrait s'en équiper Bash déjà. On va voir, je pense que la lance est plus forte. Et il doit avoir le permis vu que j'ai mis maître d'ast. L'arc, c'est pour Penelo qui est archère, on l'a pas pour l'instant. Les haches, je ne sais plus, ça doit être chevalier aussi. Mais les haches c'est très bizarre, ça peut faire énormément de dégâts. Genre, ça a 36 d'attaque, c'est énorme. Mais ça a un jet de dé en fait quand vous tapez qui est, on va dire, un peu plus ponctué que les autres. Et vous pouvez mettre genre 400 de dégâts en un coup comme 30. Ce qui est un peu dommage, il n'y a pas de régularité. Soit vous allez genre mettre un gros crit à 800, soit vous allez mettre du 15. Donc c'est un petit peu dommage. C'est assez étrange comme manière de fonctionner pour un item. Et je crois que les adversaires qui ont beaucoup d'armure se mettent très très bien contre. Masse en bronze, ça m'intéresse pas. Et la crosse de cerisier non plus. Ce sera avec le mage noir, ça il me semble. Du coup, on va voir un petit peu. Permis de van. C'est celui-ci. Donc il manque un petit peu de points. C'est pas très grave, on va aller les chercher. Et pour Bash, la lance est ici. Et il manque 2 points. Donc ça va aller assez vite. Ils vont pouvoir s'équiper de ça très très rapidement. Tac, là on a de la magie. Sincèrement, on va aller en acheter parce que c'est trop fort les magies dans ce jeu. Et surtout si on arrive à débloquer genre le soin 2 ou la vie. En fait, vie ça permet de
pas avoir besoin d'utiliser des queues de phénix, donc c'est très économique comme sort. Oh, barrière et bouclier, oh oui. Bon, là, Fran, meilleur champion. Hein. Meilleur perso. Avec barrière et bouclier. Barrière, ça augmente l'armure, enfin la défense. Et barrière, ça augmente la défense magique. Bouclier, c'est défense physique. Barrière, c'est défense magique. Donc, super important. Super important de les avoir. Et let's go. Je dois y aller, à plus. Salut, votre pseudo. À la prochaine. Alors, je sais plus. Je crois que c'est par là, la mine. C'est pas par là. Il y a des gardes. C'est clairement pas par là. On peut pas aller à gauche. C'est forcément à droite, ça. Et on va sauvegarder juste à l'entrée. Et je crois que le Venga que vous voyez à droite là, vous allez le revoir quand je vais sortir du menu de sauvegarde, il donne un contrat de chasse aussi. Pour un serpent qui est dans les mines. Ce sera pour un peu plus tard, mais il y a aussi une sorte de lieu dans cette ville où on peut aller chercher des contrats. On n'est pas obligé d'aller à Rabanas pour aller chercher des contrats, il y en a dans un peu toutes les villes, tous les camps. On va pouvoir trouver. The Lusu Mines, one of the richest veins in Ivalis. Under Imperial Guard, no doubt. Actually, no. With but few exceptions, the Imperial Army is not permitted within Bujerba. Well, shall we proceed? Hop. Alors du coup, touk 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 touk, on est bon. Est-ce que j'équipe autre chose que ça? J'avoue que le gantelet est quand même pas mal, mais ça doit être un peu loin dans les permis, donc bon, on va rester comme ça pour l'instant. Oh tiens donc. You will forgive me for asking, but you are diverting the purest of the Magicite. C'est pas le juge, c'est pas le même juge, je crois. Il a pas la même armure, il a pas la même voix. You wear your saddle well. Ah, c'est pas le même. Be that as it may, I have no intention of being bridled, Your Honor. Then you prefer the whip? Stubbornness will see not only you broken, Excellency, but Bujerba as well. Halim Ondor the Fourth, the Marquis of Bujerba. Marquis de Bujerba. The Marquis served as mediator at the negotiations of Damascus' surrender. It would appear that he is somewhat less neutral now. They say he's been helping the resistance. They say many things. You're certainly well informed. Who did you say you were again? What difference does it make? We have to find Pinello. And Pinello is your... She's a friend. She was kidnapped and taken here. She's a friend. Une excellente zone pour XP les mines de Lusu. En termes de gambit. On va faire du personnage.
bouclier. Hein. Hop. Je crois qu'il y a une compétence qui s'appelle l'air. Et qui force un peu les ennemis à prendre l'aggro sur le mec qui a l'altération de l'air. Du coup, c'est une magie dont je vais avoir besoin. Comme ça, on oriente le focus sur un mec qui est très tanky et on protège que lui. C'est beaucoup plus économique. Parce que là, je pense que ça va juste vider sa barre de mana. Je vais attendre d'avoir l'air pour que ce soit réellement utile. Mais avant les boss et tout, j'utiliserai. Genre, évident. Hop, on a le permis nécessaire pour la lance qu'on a achetée tout à l'heure. On peut maintenant s'en servir. Et les dégâts ne seront pas les mêmes. Plus de parade en plus, mollet est trop fort les lances. Et on est parti. Hâte de voir les dégâts et les patates qui va coller à Bash. Yeah. 190. Ouais, c'est pas mal. J'ai hâte que Van ait son katana aussi parce qu'il commence vraiment à pas faire beaucoup de dégâts. Ok. Il y avait un coffre dans le coin. Je crois qu'il y avait deux mobs aussi par là. Ils ont disparu. Incroyable. Un éclat d'air. Lui il a un bouclier, on va lui faire moins de dégâts. Bon, ça va quand même assez vite. Hein. Niveau suivant pour Fran, je crois. Oh, j'ai le seum! Oh non! C'est l'arme que j'ai achetée. Ah, dommage. Bon, bah, j'ai perdu genre. Je crois qu'on les revend 50% du prix qu'on achète, je crois. Donc, bon, j'ai perdu genre 800 gils. On peut aussi dire que j'en ai gagné 1600 du coup, peut-être un peu moins, je sais plus, mais bon, ouais, ça va se vendre et puis c'est cool quoi. Mais j'aurais pu faire une petite économie, tant pis. C'est 35 points de permis pour que je puisse m'en équiper d'ailleurs, je crois. Parfait. Oh, on parade, c'est insane les katanas. C'est beaucoup mieux que les lances. Let's go. On va être un peu plus vénère. Oh, alors ça c'est un piège. Voilà. Pourquoi je le vois? Tout simplement parce que j'ai acuité d'activer sur Bash tout simplement. La lame du chrono quoi. Attends, j'ai looté quoi là?
Classé automatiquement. Compétences classées automatiquement. On va y voir plus clair. Armes classées automatiquement. Munitions, c'est bon. Protection, on va faire pareil. Pas par quantité. Pardon, pas automatique. Et accessoires automatiques. Du coup, je ne sais pas du tout ce que j'ai loot là. Je ne sais pas ce que j'ai loot. Si quelqu'un l'a vu, je suis chaud. Du coup, ouais, on peut pas passer par là. L'interrupteur, on peut pas l'activer. Donc, il y a un autre chemin. Attends, quoi? C'est exceptionnel ça ou... Ok, je mets 3 fois plus de dégâts et j'ai des chances de faire des coups multiples. On est pas mal, on est pas mal. Oh, il a soin de lui, insane. Ça soigne tout le monde. Et ça soigne bien tout le monde. Du coup, je pense que ça doit être bien paramétré de son côté. Mais on va, du coup, on va plutôt utiliser sa magie à lui. Magie noire, il a eau. Magie temporelle, il a balance. Il doit avoir allonge peut-être. Magie aléatoire. Ok. Je connaissais pas ça. Et on a quand même, Mister Van qui prend beaucoup l'aggro, donc on va faire ça. On va checker ce qu'il y a par là, de voir des coffres. Il y a des pièges aussi. Des fois il y a des pièges à côté des coffres, donc faut être vigilant. Pas de coffre ici. Okay. On va voir de l'autre côté. Attention piège. On va passer très à droite. Yes. Du coup, il n'y a pas de coffre. Je crois que j'en ai pas vu. Hein. Non, il n'y en a pas. Allez, on avance. Et c'est bien par là. Très cool, les katanas. Je les défonce. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'être trop passer son temps XP, genre. Juste être bien équipé, ça fait le taf. Go. Quand je vous disais que c'était une bonne zone d'XP, il y a des mobs qui spawnent sous nos pieds. Exceptionnel. Yeah.
Le mode x2 est exceptionnel quand même. On va voir s'il n'y a pas des... Oh, ça repop derrière moi. À cette vitesse là. Level up, let's go. Fran niveau 11. Bonne zone d'XP. Ouais, c'est assez gratin. Je pense que les spots de heal qu'on trouve là, on enchaîne les ennemis qui ont la même qui sont du même groupe d'ennemis, donc c'est squelette. Donc on a des bonus. Et les soins ne marchent pas, je pense, parce que j'ai le Magilite de la déesse qui est un objet un peu particulier. Est-ce que ça pop encore? Oh là là. Let's go. Level up encore, c'est une dinguerie. Et let's go. Encore un. 28 d'affilée, ça commence à faire hein, en termes de série. Je trouve qu'à partir de genre 30 ou 50, il y a les trucs là qu'on ramasse, ils deviennent jaunes en mode or. Je sais plus si c'est 30 ou 50. Un jour, je m'étais amusé à monter à 200 d'affilée sur ces mobs là. C'est pas si long que ça. Hein. Ah voilà, 33 d'affilée. Ça y est, ça commence à heal Van. Bon bah on est immortel hein. Tant qu'on tape les squelettes là. Fragment d'os encore. Niveau suivant pour Lament encore. En même temps, 100 d'XP par mob, c'est à ce niveau-là, c'est assez fort. On va faire le tour par là. Donc, et on va y retourner, on va voir si ça repop encore. Ouais, encore un petit peu. Allez, on passe quand même à la zone suivante. Encore un squelette, parfait. Ça va continuer les meurtres en série. Let's go. Bon là pour le coup c'est, ça commence à être intéressant de ne pas tuer de chauve-souris. On s'en fout. Un antidote. Et encore un antidote. Encore un level up. Qui a level up? Ah, du coup, Balsur ne gagne pas d'expérience. Hein. Histoire que ce soit clair pour tout le monde, ce serait vraiment abusé sinon. Un éther. Est-ce que j'avance encore? Allez. This is what I came here to see. What's that?
It's Nethesite. Manufactured Nethesite. Nethesite? Unlike regular Magicite, Nethesite absorbs magical energy. This is the fruit of research into the manufacture of Nethesite. All at the hands of the Draclaw Laboratory. Bah, le sœur qui so this is where they're getting the Magicite. Intéressé. Errand all attended to, then? Thank you. I'll repay you shortly. No, you'll repay us now. We have too much on our hands to go on holding yours. So, where did you hear this fairy tale about Nethesite? And where did you get that sample you carry? What do you know about the Draclaw Laboratories? Tell me, who are you? Balthier. You kept us waiting, Balthier! You slipped away in Nalbana! We missed you! First to judge and know this boy! Let's go! The whole affair has a smell of money about it. I may have to wet my beak a little. Keep your snout in the trough where it belongs. This thinking ill befits you, Begamnon. Balthier! Too long have I gone unpaid. I'll carve my bounty onto that boy. Where's Pinello? We're taking her back. The girl? Why keep the bait when you've landed the fish? We cut her loose on the way here and then off she ran crying like a babe. Hey! C'est un fragile, Bagamnon. Voilà, j'ai deux solutions. Soit je fuis, soit je fight. We'll not be able to take them all. Fight who we must, leave the rest. Bah, je suis chaud quand même pour tenter. Attendez, il y a plus Larsa. Il y a plus Larsa et son soin 2. La fuite. Vous voyez les gros points rouges qui me suivent. En vrai, si Larsa il se retourne, on les soulève, mais. Là, on est pas full vie en plus. Allez, on va tenter. C'est pas mal aussi de courir, petit footing et tout. Elle a pris une dose, elle est sous bouclier, elle est mid-life en 3 secondes. C'est des couloirs, hein. Je pense que sur le couloir il nous retombe dessus. Hein. Vanguard, my heels, and I'm apt to give up sky pirating altogether. Allez. Ça va arrêter ma série, je crois. Ah, c'est pas grave. Faut que je trouve le sort leur et que je la prenne. Ce sera une dinguerie. Sur le stream d'Oris. Salut. Salut Max N. Comment ça va? Ouh. Un gros pépère. Bon, il fait pas le point. Hein. Level up sur Bash, niveau 13, parfait. Bon, et eh bien je sais plus par contre si dans l'histoire on recroise, je pense qu'on les recroise hein, le groupe de Venga. Ça va super et toi? Bah écoute, ça va très bien, on avance tranquillement sur le jeu, on avance bien d'ailleurs. Le mode x2 il est pour quelque chose, on traverse les zones tellement rapidement que l'histoire va assez vite.
Et à part la fuite qu'on était contraint de faire sur le groupe qu'on vient de croiser, le jeu se passe très bien. Le jeu se passe vraiment très bien. Alors, Lament. I see you've been out walking without the company of your cortège, Lord Larsa. Il s'appelle Larsa, en fait. We caught her wandering out of the mines. You must take care with such undesirables about. I was kidnapped. Silence. If it is a crime to wander on one's own, then I too am guilty. Marquis, I trust that your estate can accommodate another guest. Why not? Judge Geese, I shall heed your counsel. I will not travel unaccompanied any longer. That was unexpected. Thank you, Pinello. Of course. Comment peux-tu savoir? Comment s'appelle-t-elle? And what's the deal with that Lamont? That's no Lamont. Larsa Ferina Solidor, fourth son to Emperor Grummis and brother to Vayne. What? That kid? Do not worry. I believe he will treat her well. Nobody knows men like Fran does. Our purpose is leading us away to Andor. We must find means to approach him. The Marquis is channeling money to organizations opposing the Empire. We'll start there. Il faut attirer l'attention du Marquis. Bon, nous revoilà en ville. C'était pas si long que ça, dans mes souvenirs, c'était un peu plus long les mines. Bon, en même temps, en mode x2, ça va ultra vite. Marquis Andor announced my execution 2 years ago. If news of my survival were to spread, the Marquis may find his position compromised. Forcément. The men he's been funding bear little love for the Empire. They won't be thrilled to discover that rumors of your death were, in fact, greatly exaggerated. If we were to raise a clamor to that effect, we might just get their attention. Nothing to it. I'll just go around town spreading the word. How about this? I'm Captain Bosch von Rotzenberg of Dalmasca. 3%. 5%. Well, what do you think? That certainly qualifies as a clamor. All right, Vaughn, get to it. For the girl's sake, eh? Oh, and the more people around to witness your little performance, the better. If we're going to reach the Marquis, it's up to you. We'll be waiting here if you need us. J'ai pas besoin de vous, les gars. Je crie assez fort tout seul dans des micros quotidiennement. Je sais faire. Alors, il y a du monde là. Je suis le Captain Bosch. Une personne a réagi. Le guide au courant, ouais, c'est les guides surtout qui vont faire propager et augmenter la barre de rumeurs. Du coup, c'est eux qu'il faut que je trouve. Parce que si genre je le dis ici, ok, il y a quelques personnes, mais genre ça va augmenter de 1 ou 2% quoi. La rumeur. Bon, en plus personne n'a réagi, voilà. Je me fais complètement ignorer. Alors trouvons les guides. Ils sont dans les carrefours en général. Oh, parfait. I'm Captain Bosch von Rotzenberg of Dalmasca. Encore un. Don't listen to Andor's lies. Ouais, ça va vite. Hein. Je me rappelle quand j'avais fait le jeu, quand j'avais 12 ans, j'avais galéré, genre je comprenais pas pourquoi la barre elle augmentait pas et tout. Bonjour. I'm the Bosch von Rotzenberg. Ils sont tous timides, c'est pour ça que personne ne réagit, ouais c'est ça. 78 déjà, bon bah c'est tranquille hein. Ça va aller très très vite. Y en a pas un dans le coin là? Mais si, y en a un. Bonjour. I'm Captain Bosch. 94, on y est presque. Je sais plus ce qui se passe après, peut-être qu'on se fait arrêter par les gardes après. Don't listen to Andor's lies.
100%. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tous les guides qui sont là en mode. On va te prendre un octogone. This is the one, Habaro. Says he's Captain Bosch, he does. He would sooner pass for the king. I knew he were no captain. That was a mean trick to be playing. If a trickery it ended, it would end well enough. But why this boy? And why Captain Ronsenberg? An explanation is due, and I will hear it. The Empire's hounds grow passing bold indeed. A shame if they learnt the Marquis trafficked with the likes of you. Agents masquerading as guides, a hideout at the back of a tavern? Not exactly earning high marks for originality, are we? Now you've done Wait. It! So Bosch von Ronsenberg does yet live. Aïe aïe aïe! Lui qui a été prisonnier pendant très longtemps, refait surface. Je pense que ça va semer un peu le trouble. Dans les hautes sphères de l'Empire. So Vaughn really is all right. I didn't think I'd ever get to see him again. You will join him soon. Et lui, c'est le petit frère de Vayne Solidor, qui est le consul à Rabanastre, pour resituer un peu. I am troubled. The Rabanastre Imperial Guard appear to have overstepped their bounds. I intend to speak on this with the consul. What? Vayne Solidor, the consul, is my brother. The first duty of the consul is to maintain order in Dalmasca. My brother is not one given to failure. Perhaps things aren't going as well as they might be, but give him a little time and he will put things to rights. Be not troubled. My brother is a remarkable man. He frightens me. Why? I'm sorry. He is your brother. It's just, you don't understand how much we lost to the war. My friends, my parents. So you fear the Empire? Listen to me. The men of my family, we are taught to place the needs of others before those of our own. I will see that you are kept from harm. It is my duty to House Solidor. But how? How can I trust you? Because I give you my word. My brother would do no less. Je te réponds juste après Maxine. I knew there must be more to it, but to find you at the end of this tale? Ah, to see the Marquis's face when he learns of it. I should like nothing more. I would meet him and see for myself. How say you, my lord? There is little to be said. I shall arrange a meeting with the Marquis. We shall expect you at the estate. Nous vous attendons au domaine. Merci Max N pour ton abonnement de niveau 2. Du coup, t'as deux des trois émotes qui sont absolument dingues. Et je crois que du coup, t'as l'émote Lelariva en mode Poglariva. Et tu dois avoir celle où je suis en mode What the fuck is going on. Donc, merci beaucoup Maxine, ça fait super plaisir. Et du coup, ouais, Lelariva, la femme lapin qui s'appelle Fran et la healeuse du groupe. Voilà. Et le tableau de chasse, tableau d'affichage est ici. Et là, le Nidhogg, qui est du coup le serpent. Oh, vas-y, je vais le faire tout de suite. Je vais le défoncer, ce serpent. Oui, ça m'intéresse. Et le mec est là-bas. L'objectif de la quête principale, c'est la croix, à gauche. Mais nous, on va aller voir le point d'exclamation. VIP. Oh, il est VIP. Oh là là. D'ailleurs, on a des badges hein, qui vont pas tarder à arriver, Max N. Il faut que Nox et Lelariva voient ça ensemble de mémoire, mais tu auras un badge très stylé. Voilà, sache-le. Aïe aïe aïe, un honneur aussi
de pouvoir eh bien faire plaisir aux gens en faisant du contenu tout simplement. Nous ça nous fait plaisir. Hein. Ça nous fait plaisir. Et je sais pas Maxen si t'étais déjà passé sur l'accent e-sport tous les mercredis soirs. Tous les mercredis soirs à 19h avec les Lariva, on a une émission qui s'appelle l'accent e-sport. Et on retrace un peu les news e-sport de la semaine, particulièrement sur les jeux Riot Games. Mais par exemple la semaine dernière on a eu une chronique sur Fall Guys, mais on a des news générales et des invités en général très très orientés sur, sur Riot. Et du coup n'hésite pas à passer aussi mercredi soir. Oui, je sais où il est en plus, de mémoire, il est dans un petit carrefour dans les mines de Lussu, donc let's fucking go. Je savais pas ça, parfait, je passerai. Ben oui. On comme beaucoup dessus en général sur Twitter, avec le compte de l'accent e-sport, mais on relaie aussi avec nos comptes les Lariva, FR et Horus LOL, voilà. Et on va aller trouver ce serpent, lui arracher la peau et remporter la prime du contrat. Allez, level up, niveau 12. Pas le temps de niaiser ici, les copains. Très les chauves-souris qui filent 40 XP alors que les squelettes ils en filent 100. Qui sont pas super plus durs à tuer que ça en plus. Je peux pas perdre le butin qui est là quand même. Et let's go. Oui, j'ai encore fait tomber le câble de ma manette. Bon, en vrai, elle devrait être pas mal chargée là. 3 sur 3. Bon, bah, on va l'enlever tout simplement. Hop. Hop. Il y a un butin là-bas, c'est pas ce que j'avais entendu. Je crois que le mob en question va être juste là. Si je me souviens, voilà, il est juste ici. Alors je vais repasser en vitesse x1. Ok, il empoisonne et tout. Et il met du 160 points de dégâts. Alors, antidote. Et on va mettre une potion aussi. Allez, bah je continue de DPS, mon cher. Putain, mais il m'explose, genre il fait trop de dégâts. On va remettre une potion. D'ailleurs, on va même faire bouclier. Comme ça, il arrêtera de me mettre 160. On va refaire une potion dans la foulée après. Quoi qu'il n'y a pas marqué. Quand il est marqué prévu à côté de la barre d'action, c'est qu'il y a une action de prévu après. Voilà, comme là par exemple. Discord où je pourrais join. Oui, tu peux faire la commande point d'exclamation Discord de mémoire et tu auras le lien. Et on fait souvent des petites soirées Wolfie ou d'autres trucs comme ça et c'est tout le temps très fun. Est-ce que j'ai une super potion ou un truc? Oui. On va se débarrasser des squelettes parce que sinon ils vont nous embêter. Par contre si bah je prends l'aggro ça va être un autre problème. Bouclier pour Bash, on va faire utiliser également une super potion à Bash.
suis empoisonné, c'est pas ce qui va me faire le plus de dégâts. On va se débarrasser des squelettes très rapidement. Ok, Fran qui continue de soigner Bash, ça se passe. Ok, maintenant on peut se refocus. Antidote. Voilà, parfait. Ça diminue. 3 coups, ça diminue bien. Elle fait peu de dégâts, hein. Elle fait du 23 points de dégâts, je crois, avec ses flèches, Fran. Vivement qu'elle ait un gun. C'est pas plus de dégâts. Parce que 9, bon, c'est... On a vu mieux. Mais bon, là ça se passe très bien. On est plus trop inquiété. Par contre, genre, il a tellement de vigueur que sous shield, genre, il prend 80 points de dégâts. Van, sous shield, il prend quand même 140. Hein. Les stats de tanking de Bash sont assez colossales. Petite parade qui met bien, deux coups. Et la chasse qui va être bientôt terminée. Parade encore. Pff. Le shield a fade sur Van. Et hop, Discord de join, ouais, c'est cool. 6 coups de suite. 7 coups. Alors. Il est mort là. Ah, il est en coma. On va le ressusciter. J'ai peur que. Genre là, il lui reste genre un pixel de HP au mob. J'ai peur que genre. Il enchaîne les autos là. sans barre d'action, sans rien. Je vais me faire soulever en fait. Genre, je vais me faire soulever. Ok, faut vite que tu l'attaques, Bash, sinon on est mort. Ok, la parade, ça met bien. Pfff, 8 coups de suite. Tuez-le. Bash, tu attaques, j'ai besoin de ta force. Ok, le leader est mort. Longue vie au leader. Queue de phoenix, s'il vous plaît. Là c'est chaud là. Mais attaque-le! Putain, j'ai eu si peur. Il m'a tellement enchaîné. C'est bon. Putain, on a encore eu de la chance. Pardon pour les injures, mais faut que ça sorte. En vrai, je vais économiser ma queue de phoenix. J'ai un cristal qui m'attend à la sortie des mines. On va plutôt faire ça. Comme quoi les contrats de chasse parfois ça peut surprendre, hein. Ça peut clairement surprendre. On va mettre en x2. Trois coups, tu pouvais pas faire ça tout à l'heure là contre le serpent. Il enchaîne, hein. Ok, parfait.
J'ai hâte de savoir ce que le mec va me donner pour mon contrat de chasse parce que j'avais tout juste le level en vrai. Hein. C'était vraiment short à la fin. De bons équipements, j'espère. Ok, on s'en est sorti. La récompense a intérêt à être bonne. Un petit katana de niveau supérieur ou une petite lance ou un truc dans ce goût-là. Ou une armure insane. Ou un accessoire, genre qui double l'XP. J'aimerais bien l'avoir celui-là. Merci, j'espère que tu vas bientôt pouvoir reprendre le boulot. Qu'on va bientôt pouvoir reprendre le boulot. Tiens, de la part des mineurs. Collier de rose, balaclava et 600 gils. Puis tiens, prends aussi ça en souvenir, c'est la mue du Nidog. Il paraît que réduite en poudre, on peut faire un remède exceptionnel. Bon, ça va se vendre. Hein. du coup, je voulais voir. Ça, c'est le genre d'équipement que peut porter Balsir. Voilà, c'est le niveau supérieur. Qui donne des PV max supplémentaires, de la force et de la défense magique. En général, ce qu'on met sur la tête, c'est de la défense magique. Et ce qu'on met sur le torse, c'est de la défense physique dans ce jeu. Voilà. Du coup, très cool, très cool. On va débloquer le permis tout de suite. Hein. D'ailleurs, je commence à avoir pas mal de points de permis. C'est celui-ci, du coup. Parfait. Ah, il peut porter des boucliers, des dagues. Ah, c'est pas mal. Hein. Peut-être que... Ah, je sais pas, genre, les quatre personnages sont en build intéressant. Mais j'aimerais bien jouer un peu plus Balsir, parce que lui, avec des dagues et tout, il peut aussi enchaîner les coups. Et en vrai, il a l'air d'être également assez tanky. Hein. Il a déjà 800 HP max. Là, il va pouvoir récupérer beaucoup. Ouais, 310, c'est ça. Je peux déjà débloquer d'ailleurs. Et là il a... Ah elle est super sabre de ninja là. C'est... Voilà, faut que je garde en tête le fait que Balsir il peut vraiment être super chaud. Et du coup c'est... J'ai débloqué le vermi, est-ce que je l'ai équipé? Non. Optimisé. Ouais non. Ça c'est le piège. Ça c'est le piège. Hop. Et on va ressusciter Fran. On va sauvegarder. Et on va aller parler au marquis. Et la discussion clora l'épisode 4 de ce let's play. On va voir un petit peu ce que ça donne, ce qu'il va nous raconter le marquis. Let's go. Tout à l'heure, je parlais de faire des séances de juste d'XP dans le jeu. Je pense qu'en fait, j'en ferai, mais je préciserai que on n'avancera pas dans l'histoire parce que je pense que je vais avoir mes trois personnages principaux, mais les trois personnages principaux qui seront probablement Fran parce qu'elle a le mage blanc qui est trop important, Van et Bash parce qu'ils sont tanky, qui font beaucoup de dégâts et qui peuvent flutch sur une parade et enchaîner 3-4 autos. Donc je pense que je ferai des lives où juste j'expirerai les on va dire personnages secondaires pour les remettre à niveau des personnages principaux. Je pense que ce sera plutôt comme ça. Je crois que c'est par là. Hein. Tout à fait, on va aller à gauche là. Et c'est lui. Bonjour. Souhaitez-vous rencontrer le marquis? Oui. Et je vais replacer bien ma webcam d'ailleurs. Hop. Êtes-vous prêt pour l'audience? Oui. Le marquis est en
très affairé. Il ne vous recevra que dans la soirée. Veuillez me suivre. Je vais vous conduire dans un salon où vous pourrez patienter. Sir Bosch von Ronsenberg, it was not so very long ago that I announced you had been executed. And that is the only reason I draw breath. So you are the sword he strung above my head. Vane has left not a thing to chance. And? A leader of the resistance has fallen into Imperial hands. A woman by the name of Amalia. I would rescue her, but I need your help. This resistance leader, this Amalia, she must be very important. You understand I've my position to consider. Would you let us see Larsa? He's got my friend with him. I'm afraid you're too late. Lord Larsa's cortege has already rejoined the Imperial detachment. I am told they will depart for Rabanastar upon the arrival of the fleet this eventide. Ah, ils sont loin déjà. Ah, stylé, stylé. Ah, ils se dirigent sur nous là, non? What are we waiting for? You to calm down. Captain Ronsenberg. Surely the exigencies of position are not lost on you. Why, indeed, you should find the enemy's chains an easy burden to bear. Wait. Sorry, can't be helped. Summon the guard. Huh? They're to be taken to Judge Geese. Those decrepit basking fools in Arcades tie my hands, and look what happens. I tell you, this country's obstinacy knows no bounds. The insurgents in Rabanastar operate alone at present. However, should they garner external support, the situation could worsen. We have found the counter-imperial elements in Bujerba to be conspicuously well-funded. No doubt Marquis Ondor is behind this. Ondor must be reined in. By the way, the Marquis has written us a letter. He claims that he's recaptured our runaway. He's given him to Geese. He will die by my hand. Your fraternity is moving. C'est les deux frères jumeaux de Bash, on le rappelle, hein, le juge. Là. Tomorrow morning they will leave Bujerba. See him home safely, Gabranth. Now I'm expecting Dr. Sid. You may leave. We must see the real thing to be sure. Nabadis taught us much. Yes, it's well hidden. They'll be off chasing after shadows, the fools. Ah, yes. The reins of history back in the hands of man. Ah, Vane. You seem to be enjoying your job as consul. I was kept waiting fully 2 years. What news of Arcades, our honored members of the Senate? Hard at work, as always, trying to find a dagger for your back. They are welcome to try. Je vous dis rien sur ce nouveau personnage qui vient de faire son entrée là devant le consul, mais c'est un personnage intéressant. Et très drôle, d'ailleurs. Oh, cinématique. J'enlève ma webcam. Attention, transition.
prisoners, my lord. C'est une cinématique assez courte. Majesty. After what you've done, how dare you? You're supposed to be dead. Come now, come now. Have you forgotten your manners? This is hardly the courtesy due the late Princess Ashelia Benargin Dalmaska. Princess? To be sure, she bears no eh oui, on l'avait vu dans la première cinématique, dans l'épisode 1. Mean member of the insurgents. The resistance. His Excellency the Consul asks the ministry of the disthroned royal family in restoring peace to Dalmaska. Those who foster instability and unrest, who claim royal blood without proof, they shall meet their fate at the gallows. There are no exceptions. I will not play puppet to Vane. King Ramanas entrusted me with a task. Should the time come, he bade me give you something of great importance. It is your birthright, the Dusk Shard. It will warrant the quality of her blood. Only I know where to find it. Wait. You took my father's life. Why spare mine now? You would have me live in shame. If that is your duty, yes. Stop being so stubborn. Keep on like this and you're gonna get us all killed. Don't interrupt. What? Vaughn, that stone. It was in the palace treasure. Well, well. Splendid. You've brought the stone with you. This spares us a great deal of trouble. Don't give it to him! You have to promise. No executions. A judge's duty is to the law. Take them away. My lord! Lady Ash is to be quartered separately. Vane Solidor, what fascination does this hold for you? So you were carrying it all along. The Fates' jest. Tell these Fates of yours to leave me out. Keep quiet! There was nothing else that I could do. You know that. Oh, I understand. Honor, duty, and all that. I still can't believe that was a princess. I say keep quiet! The Marquis has been busy. Not lightly did I beg his aid. Listen, it's been a full 2 years. I alone have kept Her Majesty safely hidden. I doubted friend and foe alike. I could trust nobody. You did your duty, and mine for me. I'm getting her out. I need your help. Of course. Vossler se joint au groupe en tant que personnage invité. Let's go. La carte du Léviathan. C'est très marrant dans... Dans les Final Fantasy, il y a des noms, comme je vous disais, qui sont très récurrents. Léviathan, ça en fait partie. Ça fait partie Léviathan d'une chimère qu'on peut invoquer dans plein d'opus. Le 7, le 8, le 15, probablement d'autres que j'ai oubliés. Et là, c'est pas une chimère qu'on peut invoquer, mais c'est le nom d'un vaisseau. Pareil pour le Ifrit qu'on a vu dans l'épisode 2, si mes souvenirs sont bons. Ifrit, c'est une chimère qu'on peut invoquer dans le 7 et le 8. Et c'est le nom d'un vaisseau dans celui-ci. Et il me semble qu'il y a un vaisseau qui s'appelle Shiva aussi, et il y a le Bahamut également. Voilà, on aura l'occasion de voir ça un peu plus tard dans le let's play. Du coup, lui, il est à un sacré level, level 16, et il met de sacrées patates aussi. Retrouvons la princesse. D'ailleurs, j'avais dit qu'après la discussion avec le consul, on couperait l'épisode. Donc on va couper l'épisode du coup 4 de Final Fantasy ici pour YouTube.
Et je vais voir ce que je fais sur le live. Je vais continuer à live. Probablement pour aller sur du Valorant. Je vais voir s'il y a des copains sur le Discord. Mais ça pourrait être cool.